Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de votre nouvelle Recallbox, votre plateforme de jeux rétro gaming plug and play. Vous n'avez qu'à brancher, allumer et passer des heures de jeu avec les titres emblématiques de notre enfance. Alors rassurez-vous, au premier démarrage, vous n'allez pas forcément voir apparaître toutes les plateformes que vous voyez à l'écran. Elles n'apparaîtront qu'au fur et à mesure où vous rajouterez des jeux dans votre Recallbox. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Pour naviguer, rien de plus simple. Gauche, droite, sur les boutons de votre manette. Attention toutefois, les noms des boutons que vous voyez apparaître sur le menu ne sont pas forcément ceux de votre manette. Selon le constructeur, ils ne s'appellent pas pareil. Pour valider, utilisez les boutons croix pour PlayStation, B pour Nintendo et A pour Xbox. Pour annuler, le principe reste le même. Le bouton rond pour PlayStation, A pour Nintendo et B pour Xbox. Tiens, pour changer, allons-y pour la Master System. Pour vous déplacer dans votre liste de jeux, rien de plus simple. Haut et bas sur votre manette vous permettent de faire défiler un à un tous les titres. Grâce aux boutons L et R selon le fabricant de votre manette, vous allez pouvoir faire des sauts plus importants dans votre liste et naviguer beaucoup plus rapidement. Ce qui est plutôt pratique puisque vous allez voir que rapidement votre collection va se compter en dizaines, en centaines, voire en milliers de titres. Si ce n'est pas suffisant, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le bouton Select ou Back de votre manette pour faire apparaître une petite fenêtre et ainsi pouvoir vous téléporter instantanément à la lettre de l'alphabet de votre choix. Ensuite, dernière étape, vous n'avez qu'à choisir le jeu auquel vous avez envie de jouer et vous éclater. Sachez qu'à tout moment dans le jeu, vous pouvez revenir au menu principal en appuyant très simplement, simultanément, sur le bouton Hotkey ainsi que sur le bouton Start. Attention, avec cette combinaison de touches, vous réapparaîtrez instantanément dans le menu principal et vous perdrez bien sûr toute progression dans votre partie en cours. Voilà pour cette vidéo de présentation générale de la navigation dans votre Recallbox, j'espère qu'elle vous a plu. On vous souhaite bon jeu et à très vite pour de nouvelles vidéos. We'll be right back.